une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère tuquet son âne, ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Avez-vous déjà écouté le vent jouer avec les feuilles des arbres? L'avez-vous déjà regardé faire ondoyer les épis de blé mûr? Vous êtes-vous déjà rafraîchi avec l'eau pure que peut vous offrir une source? La nature peut être une grande amie pour l'homme, à condition qu'il accepte de la découvrir et qu'il apprenne à l'aimer et à la respecter. Oh, vous parlez sérieusement? Vous voulez vraiment réouvrir la vieille mine? Mais c'est très dangereux, vous le savez. Oui, seulement c'est la meilleure solution pour éliminer de façon radicale Robin et ses maudits amis les voleurs. L'ennui, c'est que si vous faites réouvrir la mine, toute la forêt de Sherwood risque d'être détruite. Je ne crois pas que ce soit un problème. Oh. Et même si ça en devenait un, il serait moins grave que les problèmes que me posent ces hors-la-loi. Oui, mais si j'ai bonne mémoire, cette mine a été fermée par votre prédécesseur et je crois même qu'il y avait été obligé pour des raisons très précises. En effet, il s'y était vu contraint et forcé. Mais le temps efface les choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire? C'était il y a longtemps, et maintenant cette mine est placée sous ma juridiction. Je peux faire ce que je veux. Personne n'a le droit de m'interdire quoi que ce soit. Et ceux qui oseront le faire devront se méfier des représailles le jour où j'atteindrai mon but, c'est-à-dire le jour où je deviendrai roi. Oh, parfois vous me feriez presque peur. En attendant que vous soyez roi, votre titre actuel de baron ne vous donne des droits que sur ce comté. Exactement, et c'est ce qui m'autorise à dire que cette mine m'appartient. Je vais faire le nécessaire pour la faire réouvrir et d'ici quelque temps, elle m'enrichira. Arrête, Barbara, ça suffit maintenant. Oh, les filles ne se moquent pas de leur frère, elles lui doivent le respect. Je vois que vous vous amusez bien. Et est-ce que vous venez souvent jouer dans cet endroit? Oui, souvent. Enfin, assez souvent. Je vais vous donner un conseil. À l'avenir, allez jouer ailleurs. La mine va bientôt être réouverte et ce ne sera plus un terrain de jeu tranquille et agréable. Bonjour. Bonjour à vous. Tu devrais te sécher, sinon tu vas prendre froid. Monsieur Kirk, vous venez ici pour quoi faire? Je suis mineur, je viens examiner la mine Gibson, celle qui est en amont de la rivière. Vous devez la connaître. Je sais pas ce que c'est un mineur. Un mineur travaille sous la terre. Il creuse pour dégager des pierres précieuses ou des métaux du sous-sol. Tu as compris? Bah non, pas vraiment. Regarde, c'est avec ça qu'on trouve des pierres. Oh. Tu comprends maintenant? Ah oui, un petit peu mieux. Parfait. Monsieur Kirk, j'ai entendu dire que cette mine avait été fermée parce qu'elle pouvait être très dangereuse. Qu'est-ce que tu entends par là? Il y a des gens qui sont convaincus que la mine est hantée. Oh, alors ça m'étonne un peu, mais si c'est vrai, je le saurai vite. Dis-moi, Will, tu ne trouves pas qu'il ressemble à notre père? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et après ça, le baron a donné l'ordre de la fermer et il y a fait apposer son sceau. C'est très curieux, parce que c'est le baron Halloween qui m'a demandé de venir la réouvrir. Ah? En fait, le baron et ses soldats me suivent. J'ai pour mission d'entrer dans la mine et de voir dans quel état elle est et s'il est possible de la réouvrir rapidement. Oh. Maintenant, je dois me remettre en route et aller travailler. Monsieur Kirk, méfiez-vous d'Halloween. Il est capable de tout pour s'enrichir. Ah oui? C'est quelqu'un de cruel. Il tuerait père et mère pour satisfaire sa soif de pouvoir et son amour de l'argent. Je connais bien les secrets des mines. C'est important que j'aille voir dans quel état se trouve celle que le baron veut réouvrir. C'est très risqué. Certainement, mais si on a décidé de la fermer, ça n'est pas sans raison. Il y a forcément un danger quelque part. Peut-être qu'une rivière provoque des glissements de terrain, ou que les poutres pour étayer les galeries sont en mauvais état, ou mille autres choses. En tout cas, je vais aller voir pour prévenir les accidents. Au revoir à tous. À un de ces jours... Je m'appelle Barbara. À bientôt, j'espère, Barbara. Au revoir. Peut-être que c'est de la mine Gibson que mon père m'a parlé un jour. Le baron avait donné l'ordre de la fermer parce qu'il n'y avait plus de filons. J'ai entendu dire que c'était parce qu'on y trouvait une sorte de poison. Je me demande pourquoi le baron a décidé de la réouvrir. Je trouve ça louche. Pas tant que ça, il cherche sans doute à nous punir d'avoir volé l'argent des impôts. Je n'en suis pas sûre, mais on saura vite à quoi s'en tenir. On ne peut pas le laisser faire, il faut réagir. Peut-être qu'il vaudrait mieux aller en parler à Petit Jean. Oh. Barbara? Oh, mais enfin, où est-ce qu'ils sont tous passés? Attendez! Monsieur Kirk! Qu'est-ce que tu veux, petite Barbara? Eh ben voilà, il faut que... Reprends ton souffle et explique-moi tout calmement. Tout à l'heure, j'ai entendu mon frère et ma sœur, ils parlaient, et ils ont dit que vous ressembliez beaucoup à notre père. Tiens, tiens, c'est intéressant. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Et est-ce que tu es d'accord avec eux? Tu trouves que je lui ressemble? Eh ben, j'en suis pas très sûre. Je me souviens plus très bien de mon père, j'étais toute petite quand il est mort. Ah, oui, je comprends. Ça ne doit pas toujours être facile de vivre dans la forêt, et vous êtes tous encore tellement jeunes. J'ai une idée. Tu pourrais peut-être venir avec moi jusqu'à la mine et après je te ramènerai chez toi. N'aie pas peur, personne ne va te gronder. Oh. Entendu? Ouais. Parfait. Ah. Tiens-toi bien et tu ne tomberas pas. Mmh. Le baron nous donne l'ordre de nous présenter au château le plus vite possible. Jusqu'ici, vous n'avez pas prouvé votre valeur. Vous n'avez pas éliminé Robin ainsi que vous l'aviez juré. Pourtant, vous en avez eu l'occasion et vous n'avez pas su la saisir. À votre place, je me méfierai, je ne chercherai pas à nous offenser. Oh, je ne cherche rien du tout. Je me contente de répéter ce qu'a dit le baron. Capitaine, pouvons-nous savoir ce que vous venez faire ici? Bonjour, Cléo. Je ne suis que de passage, je vais à la vieille mine. Le baron a décidé de la réouvrir. Quoi? Tiens, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir une mine dans les parages. Voulez-vous aller avec lui? Ça pourrait être une promenade intéressante et amusante. Vous semblez oublier que le baron nous a demandé d'aller au château. N'ayez crainte, je vais aller voir ce qu'il nous veut. Quant à vous, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous restiez ici. Vous devez avoir besoin de vous reposer. Oh. Qu'est-ce que vous insinuez? Que je suis une femme faible qui se plaint tout le temps? Très bien, nous allons nous mettre en route pour le château. Ça vous convient, capitaine? Oui, et moi aussi, je me remets en route. Au revoir. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse si la mine est réouverte? Écoute-moi bien. Premièrement, il paraît qu'elle est hantée. Et deuxièmement, pense à la forêt. Elle sera saccagée, on n'aura plus d'abri. Qu'à cela ne tienne, le baron peut bien faire tout ce qu'il veut. Et s'il trouve de l'or ou des pierres, je m'arrangerai pour lui en voler une partie. Et on fera une grande fête. Robin, Willy. Bonjour, Winifred. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air affolée. Barbara a disparu. Je l'ai cherchée partout, je ne l'ai pas trouvée. Hein? Barbara? Où pourrait-elle être allée? Oh, je sais, peut-être qu'elle a suivi Monsieur Kirk. Et pourquoi ça? C'est incroyable comme il ressemble à notre père. Alors peut-être... Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Mettons-nous à sa recherche, sans perdre de temps. Tiens, je te l'offre. Oh, merci, c'est vraiment très beau. Tu veux bien m'attendre ici? Ah. Mais qui a posé ces scellés? Apparemment, la mine a été fermée sur l'ordre du baron de Nottingham. Tout ça n'est pas très clair. Je n'arrive pas à tout lire. On dirait qu'elle a été fermée et scellée depuis une bonne vingtaine d'années. Elle doit être dans un triste état. Oh, ah, vous revoilà. J'espère que tu n'as pas trouvé le temps trop long. Oh non, pourquoi est-ce que par endroits cette pierre brille au soleil? Parce qu'elle renferme du cuivre, tout simplement. Eh ben, c'est très joli. Est-ce que c'est vous, Kirk, le mineur? Oui, c'est moi. Et vous devez être un des soldats du baron Halloween. Qui est cet enfant? C'est ma fille. Pourquoi l'avez-vous emmenée? Ça ne doit pas être pratique de travailler quand on a un enfant avec soi. Je l'emmène de temps en temps avec moi. Elle me tient compagnie. Ah, ça vous regarde. Vous avez pu jeter un coup d'œil là-dedans? J'ai bien essayé, mais je n'ai pas pu aller très loin. L'entrée est scellée. J'ai commencé à examiner tout autour, mais je ne peux pas encore dire grand-chose. Mmh. Qu'est-ce que tu as dans tes mains, ma petite? Une pierre qui a du cuivre. Oh, c'est toi qui l'as trouvée? Non, c'est monsieur. C'est mon père et il me l'a donnée. Ah, ton père est un monsieur bien gentil. Ah oui? Je me présente, je m'appelle Cléo. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Barbara. Écoute, Barbara, peut-être que nous devrions aller un peu plus loin pour ne pas déranger ton père. Barbara? Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ouais, ça c'est beau. Ça doit être de l'or. De l'or? Alors, vas-y. Allez, plus fort. Ils vont être déçus, ce n'est pas de l'or. Ce n'est que du cuivre. La rivière qui coule dans la forêt doit prendre sa source ici. Je dois les arrêter. S'il vous plaît, messieurs, arrêtez! Ne touchez à rien, je vous en prie, c'est très dangereux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que maintenant, je comprends pourquoi on l'a fermée. Elle renferme des substances toxiques, du poison. Tant qu'il n'y a pas de fuite, ce n'est pas grave. Mais si le poison s'infiltre dans cette source, ce sera grave pour la rivière et pour la forêt. Ne l'écoutez pas. Allez, au travail. Le baron veut qu'on ouvre la mine, alors ouvrons-la. Oui. Arrêtez, vous risquez votre vie en continuant. Vous avez entendu? Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Il faut absolument que j'empêche ces idiots de creuser. Ne restez pas là! Suivez-le! Ah, ça doit être agréable de voyager avec son papa. Si tu me parlais du tien, Cléo, où est-ce qu'il est? Mon père est mort il y a quelques années. Ma mère aussi, je suis toute seule. Mon père, il est mort aussi. Monsieur Kirk, c'est pas mon vrai père, même s'il lui ressemble. C'est seulement un ami. Je l'aime bien, il est très gentil avec moi. Oh, excuse-moi de t'avoir parlé de ça. Je ne voulais pas te faire de peine. Tu ne m'en veux pas trop, j'espère. Oh non, je t'en veux pas. Et puis je suis pas toute seule, j'ai un frère. Ah oui? Tu en as de la chance. J'ai eu un frère, il était plus âgé que moi. Il était très gentil et je l'aimais beaucoup. Cléo. Oh, excuse-moi, j'étais perdue dans mes rêveries. Qu'est-ce qu'elles font ensemble? De quoi peuvent-elles bien se parler? Regarde Cléo, elle est douce et calme, elle n'est pas comme d'habitude. Ça alors, Cléo. Barbara ne peut pas rester avec elle. Attendez! Où est-ce que vous comptez aller comme ça? Les ordres du baron Halloween sont très clairs. On doit extraire de cette mine tout ce qu'il y a de la valeur, que ce soit de l'or ou bien du cuivre. On vous a demandé de venir parce que vous avez assez d'expérience pour surveiller les travaux. Alors ne vous faites pas prier, il y a de l'or qui nous attend là-dedans. Ce n'est pas de l'or, c'est du cuivre. Viens, Barbara, on s'en va. Ce n'est pas de l'or. Puisque je vous le dis. Oh. Je vous préviens, si vous partez, votre fille en subira les conséquences. Maintenant, retournez travailler. Barbara! Lâchez-la, ce n'est qu'une enfant. Excusez-moi, mais cette affaire ne vous regarde pas. Cléo, le capitaine a raison, vous savez. Kirk, dépêchez-vous de retourner au travail. Barbara! Oh non! Qu'est-ce que vous attendez? Je vous conseille d'obéir si vous tenez à votre fille. Lâchez-la tout de suite, capitaine. Vous avez eu tort de faire ça. Vous n'avez pas le droit de la retenir. Cette enfant est innocente. Oh. Oh, Monsieur Kirk! Barbara! Oh, merci de m'avoir défendu, Cléo. De rien. Va-t'en vite avec ton papa. Si jamais ce mineur vous crée des problèmes ou s'il n'est pas d'accord pour obéir à mes ordres et réouvrir la mine, tuez-le. Rattrapez-les et ramenez-les-moi. Ne restez pas plantés là, espèce d'imbécile. Vous allez le regretter. Je regrette, je ne peux pas vous laisser partir. J'ai reçu des ordres. Le baron se fâchera si vous m'empêchez de faire mon travail. C'est compris? Ah mais, d'où ça vient? Allez-vous-en. Retournez auprès de votre maudit baron. Oh, Robin. Quoi? Dépêchez-vous un peu. À l'attaque! Sauvez-vous, Cléo, c'est trop dangereux. Non, je ne perdrai pas cette occasion de me battre. Cléo, je vous en supplie, sauvez la petite Barbara. Tu veux bien me sauver? Mais, enfin, je... Oh! Faites vite. Ah! S'il vous plaît, emmenez-la loin d'ici. Ne vous en faites pas pour moi, sauvez-vous. Monsieur Kirk! Tout ira bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas, dépêche-toi d'aller te mettre à l'abri et prends soin de toi. On se reverra peut-être. Au revoir, Barbara. Au revoir, j'espère qu'on se reverra bientôt. Dire à votre ignoble et cruel baron que je ne vous autoriserai jamais à ouvrir la mine. C'était pas la peine de rester ici. On leur trouvera un de ces jours. Monsieur Kirk, on va vous soigner. J'ai passé toute ma vie à voyager et à travailler dans toutes sortes de mines. Je n'ai jamais pris le temps de m'arrêter pour fonder une famille. Quand j'ai vu Barbara, j'ai compris mon erreur et je l'ai aimée comme ma fille. Oh, Monsieur Kirk... S'il vous plaît, dites-lui que je suis parti pour un très très long voyage. Mais que peut-être un jour nous nous reverrons et que je la garderai toujours dans mon cœur. Oh, oh Monsieur Kirk. Oh. Monsieur Kirk a dû être obligé de repartir pour échapper au baron Halloween. Oui, je suppose. Je me demande si je le reverrai un jour. Ça, personne ne peut le savoir. En tout cas, garde bien cette pierre. Comme ça, il sera toujours un peu avec toi. Oui, c'est vrai. Cléo, il vaudrait peut-être mieux rentrer. Oui, mais... Je crois que moi aussi, je ferais mieux de rentrer. Dis, Cléo, tu viendras me voir pour qu'on joue? Oui, je viendrai. C'est promis. Au revoir. Quand tu viendras, tu feras la connaissance de mon frère, de Winifred et puis des autres. Au revoir! Au revoir, Cléo! Viens vite me voir! Au revoir! Allez, viens, Barbara, on rentre à la maison. Pourquoi vous vous êtes fâchée avec Cléo. C'est quelqu'un de très gentil, vous devez pas bien la connaître. Elle m'a dit qu'elle avait plus ses parents, qu'elle était toute seule. Et puis elle m'a promis de venir me voir un de ces jours pour qu'on s'amuse toutes les deux. Ça doit être épouvantable de perdre tous les gens qu'on aime. Cléo est quelqu'un de sensible et de gentil. Si nous ne nous entendons pas, c'est parce qu'Halloween a dû lui dire des choses sur moi. Marianne, c'est cette jeune fille. Oui, exactement. Il faut l'enlever. C'est la seule solution que nous ayons pour venir à bout de Robin. En tant que chevalier, nous avons un code d'honneur. Mais rien ne vous forcera à l'enfreindre. On se servira de Marianne pour piéger Robin. On ne lui fera aucun mal. Bon, très bien. Dans ces conditions, on accepte. Quand vous l'aurez enlevé, amenez-la moi tout de suite. Je vous expliquerai ensuite le reste de mon plan. Est-ce que c'est bien compris? Monsieur le baron, pardonnez-nous, on a fait de notre mieux. Vous avez échoué. Ça fait longtemps qu'on est là et on n'a encore rien pris. Puisque ça mord pas, il faudrait peut-être mieux arrêter. Tu n'y penses pas, non? Winifred a fait du feu et elle attend nos poissons. Il faut absolument empêcher un. Bon, on va essayer. Chez sa bande, celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!